Je suis créatrice de linge de maison donc depuis 25 ans. C'est pour moi la marque qui correspond le plus à mes valeurs. J'essaye de comprendre le monde et de le faire partager à mon client avec beaucoup de passion et c'est un vrai plaisir. Je m'inspire énormément de design ancien, de tissus du 18e, du 19e, que je modernise. Tous nos dessins sont faits à la main. Je suis aidée de mon assistante Isabelle. Nous avons des modèles en lin depuis 170 ans pour justement répondre à une demande de clientèle qui vraiment est très très attachée au bien-être, à l'écologie et à la planète. Sur cette collection printemps-été 2020, j'ai choisi de travailler deux thématiques intitulées Le Chant du Monde parce que c'est une toile de Jouy revisitée, modernisée. Et la deuxième thématique, c'est une thématique dans les coloris chauds qui est les années 50. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de remettre de l'histoire à chaque fois que je modernise un dessin. Cette phase de création de dessin, c'est une phase très importante, très longue, mais passionnante parce qu'il faut choisir le bon matériau en fonction du dessin qu'on a envie de réaliser. Il y a toute la phase d'échantillonnage, donc on a en fait des essais d'impression qui nous sont envoyés. Et en équipe, nous choisissons donc le coloris qui nous semble le plus séduisant par rapport à la thématique. La confection est très très importante parce que justement, c'est là qu'on va choisir un petit peu pour quel client on a envie de travailler tel dessin. Donc c'est un peu du sur-mesure. Et on ajoute la petite cerise sur le gâteau qui sera la finition. Alexandre Turpo, c'est une grande marque, mais c'est surtout une marque de créateurs et c'est tout ce savoir-faire qui fait notre force et notre notoriété.